Bien, mais nous allons ouvrir donc cette deuxième journée Valo à Amiens, au logis du roi. Ce matin, nous allons donc consacrer cette matinée à je dirais, l'après-Covid, aux leçons que finalement nous pouvons en tirer de cette expérience qui n'est pas tout à fait terminée, mais dont on peut espérer qu'au moins nous pouvons avoir assez de recul pour commencer à poser un regard un peu différent sur ce qui a pu se passer et se poser aussi peut-être la question de ce qui peut être fait ensuite à l'occasion d'autres, enfin, ne le souhaitons pas, mais bon, d'autres épidémies. Donc il s'agit donc ce matin de comprendre un peu, de prendre un peu de recul sur ces moments épidémiques et à différents niveaux, hein, puisque nous allons... parler également des élèves et des étudiants, faire un retour. Nous allons commencer par la communication de M. Rémi Cavin, qui est professeur en sociologie à l'UPJV, spécialiste de sociologie économique et qui travaille également sur les groupes sociaux, sur les questions de morale et de groupes sociaux et la sociologie de la quantification. Et qui donc va nous parler qui va nous présenter une communication qui s'intitule Comprendre et accompagner les acteurs en période de crise. Pardonnez-moi. Mythe et réalité des nouvelles solidarités par temps de pandémie. Pardonnez-moi, j'étais sur la présentation générale. Donc, mythe et réalité des nouvelles solidarités par temps de pandémie. Oui. Donc, je vais présenter là des résultats, pas provisoires, mais enfin, c'est vraiment des résultats, c'est les premiers résultats d'un programme de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et la région Hauts-de-France, qui portait justement sur les nouvelles solidarités. Donc, pendant l'épisode du Covid et à sa suite, l'hypothèse centrale était que. L'épidémie de Covid a généré un moment critique, c'est-à-dire un moment où où la vie quotidienne a été mise à l'épreuve, où les anticipations qui avaient une certaine évidence ont été déstabilisées, où les rapports sociaux, les liens sociaux également se sont délités ou peut-être transformés, et que face à cette situation seraient apparus de façon plus ou moins spontanée de nouveaux liens de solidarité entre des acteurs qui n'avaient pas jusque-là l'habitude de coopérer ou de s'entraider. Alors cette hypothèse, elle reposait sur pas grand-chose. Elle reposait essentiellement sur les discours qui ont pu être entretenus à l'époque, qu'on n'entend plus guère aujourd'hui, et notamment donc la mise en scène médiatique, en se demandant si est-ce qu'on avait une vision là enchantée de la réalité ou est-ce que ça correspondait à des choses. Voilà. Alors je vous ai mis ici quelques extraits de la presse, donc la solidarité entre voisins, un monde plus fraternel et humain, du dépannage alimentaire, de la distribution de colis de nourriture, une solidarité qui n'a jamais été confinée, enfin voilà, de nouvelles formes de solidarité émergent, etc. etc. Voilà, j'en ai pris quelques extraits comme ça, mais enfin, sans parler de saturation, entre les applaudissements du soir et comme ça ces espèces d'élan de générosité spontanée et généralisée, on avait l'impression que
voilà, qu'il y avait une transformation profonde des rapports sociaux, et ça allait avec, avec la rhétorique du monde d'après. Voilà, et donc, on s'est quand même posé la question, est-ce que... est-ce qu'on est allé, ou est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on a pu observer de nouvelles configurations de relations sociales ? Est-ce que face à la remise en question des collectifs existants ou des relations collectives existantes, on a vu émerger nouveaux collectifs qui gagnent une nouvelle, enfin, de nouveaux collectifs davantage pertinents pour agir, pour faire face à les situations ? Et puis, plus fondamentalement, est-ce que ça a remis en question les styles de vie et les rapports sociaux ? Alors, à partir d'une enquête qu'on a réalisée par questionnaire, donc un petit millier, alors on avait un millier de questionnaires au départ, et puis il y a eu un biais d'échantillonnage, donc j'ai dû supprimer par tirage aléatoire, enfin... En gros, j'ai dû supprimer une centaine d'étudiantes parce qu'il y a eu, un effet d'emballement. En fait, les étudiants se sont interrogés les uns les autres, et notamment SHS. Et donc, du coup, ça a féminisé brutalement l'échantillon. Donc, j'ai isolé j'ai isolé les étudiantes. J'ai fait un tirage aléatoire et j'en ai supprimé une centaine. Donc, on est autour de 900 répondants. Qu'est-ce qu'on constate ? Que l'entraide, finalement, elle a été quand même relativement limitée. Est-ce que aide reçue pour la garde d'enfants, on a 85% de non. Aide reçue pour faire les courses, 78% de non. Pour fournir du matériel, 75% de non. Aide apportée pour la garde d'enfants, on est autour de 77%. Pour faire les courses, 52%. Donc là, il y a eu un petit peu plus d'entraide, et fournir du matériel, on a les deux tiers. Ouais. Globalement, il n'y a pas eu d'explosion de l'entraide. Enfin voilà, on ne constate pas une mobilisation générale à la faveur d'autrui, dans un sens comme dans l'autre. Et puis, ce qu'on constate également, c'est que cette solidarité, elle est, limitée, minoritaire, enfin, en tout cas, ces gestes d'entraide, puisque c'est à partir de cette entraide qu'on a essayé, d'un point de vue quantitatif, mais avec le matériau qualitatif, on obtient à peu près la même chose. On ne le chiffre pas, mais enfin, on ne constate pas non plus de vagues d'entraide et de solidarité, y compris dans des quartiers qu'on nous a décrits comme étant solidaires, etc. Bon, ce qu'on constate, c'est que c'est une solidarité, une entraide qui donc est loin d'être généralisée, et surtout qui est extrêmement ordonnée. C'est-à-dire que si on constate... si on regarde, je croise, donc est-ce que vous avez reçu de l'aide et est-ce que vous en avez apporté, on constate que finalement, on a une jolie diagonale dans nos tableaux. Les gens qui n'ont pas apporté d'aide n'en ont pas reçu. Ceux qu'on a reçu de la famille, majoritairement, là où on a reçu de l'aide de la famille, on en a davantage apporté à la famille. Et là où on a reçu de l'aide d'autres personnes, par exemple pour la garde d'enfants, on a apporté son aide à d'autres personnes. Ça fonctionne également avec les courses et ça fonctionne avec le prêt ou l'emprunt de matériel. Donc on a un truc extrêmement classique d'absence de gratuité du geste. Plus on reçoit, plus on donne, et inversement. Et on est dans un triptyque très classique qu'on connaît bien en sciences sociales, notamment en anthropologie, du donner, recevoir, rendre, de cette triple obligation. On donne à ceux dont on a reçu, et quand on reçoit, on rend. Et cette triple obligation est la condition d'entretien du capital social, c'est-à-dire de l'ensemble des relations dont on dispose. Et on voit bien que l'entretien de ce capital social est spécifique, puisque quand on reçoit de la famille, on donne à la famille. Quand on reçoit d'autres personnes, enfin voilà, on entretient vraiment des fractions du capital social bien spécifiques. Et puis, ce qu'on constate également,
c'est que cette entraide, elle est socialement située. Elle est socialement située, pour le dire rapidement, on s'est plus entraidé dans les milieux populaires que dans les milieux plus aisés. D'accord ? On le voit. Alors, c'est pas non plus le grand élan de solidarité, hein. Mais voilà, là où on a près de 90% des membres des classes supérieures qui n'ont pas reçu d'aide pour la garde d'enfants, on a que 77% des classes populaires, et dont on voit également que chez les classes populaires, c'est davantage orienté vers la famille, alors que par exemple, si on regarde le troisième tableau pour les classes supérieures, le recours au capital social est davantage tourné vers les amis ou les voisins, et moins vers la famille. Voilà, donc une aide reçue davantage parmi les classes populaires, et quand il y a cette aide parmi les classes populaires, elle est davantage reçue par des membres de la famille, et on constate la même chose dans l'aide apportée selon la classe sociale. On a apporté plus d'aide dans les classes populaires, on l'a apporté davantage à la famille, hormis pour faire les courses, où là, il n'y a pas de différence fondamentale, peut-être sur la deuxième colonne, où on voit que dans les classes supérieures, le recours à la famille reste très minoritaire, reste en deçà de ce qu'on observe pour les classes moyennes et supérieur. Je n'ai pas mis les tableaux, mais on constate également que les personnes âgées, les plus de 65 ans, ont reçu un peu plus d'aide que les autres, notamment pour faire les courses et pour l'empreinte matérielle, et avec une logique spécifique, c'est par le voisinage. Et donc dans les deux cas, qu'il s'agisse des classes populaires ou des personnes âgées, ça renvoie directement à ce qu'on pourrait désigner comme une protection rapprochée, et un appui sur ce que Durkheim désignait comme la solidarité mécanique, c'est-à-dire une solidarité qui s'impose, qui est liée à des relations de proximité, à des attaches familiales. Et ou territorial, c'est-à-dire finalement à des attaches qu'on pourrait dire non choisies ou non affinitaires. Et donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc non seulement il n'y a pas une explosion de l'entraide de la solidarité, mais les solidarités qu'on observe n'ont strictement rien de nouveau. Le maintien de liens de solidarité et d'entraide qui existaient déjà. C'est juste que, bonne nouvelle, ils n'ont quand même pas été complètement mis à mal par la crise. Qu'on aurait pu le penser, hein, notamment dans l'épisode d'enfermement du printemps 2020, où, notamment au début, la peur a poussé à limiter les contacts physiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais quand on était dans la rue, les gens changeaient de trottoir. Même au départ, on pensait que c'était les gamins qui transmettaient. Moi, je me rappelle, je sortais avec ma fille, les gens, ils se mettaient à 50 mètres, quoi, de peur qu'elle les contamine. Mais ce qu'on a dans les entretiens, mais ce qu'on a pu observer aussi, c'est une forte limitation des contacts physiques. Quand bien même, par exemple, il y avait de l'entraide pour faire les courses, les gens ne se voyaient pas. C'est-à-dire que les gens déposaient les courses, on a des exemples comme ça, c'est ma sœur qui me faisait mes courses, pas la mienne, hein, c'est une personne avec qui on a fait des entretiens, elle déposait les courses en bas de l'immeuble, et les occupants du foyer allaient chercher les courses en bas de l'immeuble. Et ensuite, éventuellement, on se parlait par la fenêtre. Bon, ça s'est tassé un petit peu, mais voilà. Les liens sociaux n'ont pas été complètement mis à mal, en tout cas les liens sociaux familiaux et territoriaux n'ont pas été mis à mal
été mis à mal plus que ça par l'épisode. Donc, dans les classes moyennes et supérieures, on a moins recours à l'entraide, donc comme on vient de voir, et c'est plus souvent près d'autres personnes, comme on vient de le voir, notamment près de collègues et d'amis. Et ça renvoie directement aux inégalités ou aux différences de capital social entre les classes populaires et les classes moyennes et supérieures. Et donc au volume et à la structure de ce capital social. Le capital social de base, parmi les classes populaires, c'est la famille. C'est ce qu'on désigne aussi comme les liens forts. Alors que dans les classes moyennes et supérieures, ce capital social est plus important, plus diversifié. Il ne se limite pas à la famille. Et la famille n'est plus nécessairement la ressource vers laquelle on va se tourner ou vers laquelle on va avoir recours prioritairement. D'accord ? Et même pour la garde d'enfants. Si on reprend là, on voit que pour la garde d'enfants, les membres des classes supérieures ont été c'est là où on a le plus petit chiffre de recours à la famille. Alors, et c'est d'autant plus vrai que c'est aussi des milieux dans lesquels on a une mobilité résidentielle plus importante, et donc on ne réside pas forcément à proximité de chez de parents, de frères, de sœurs, de personnes de la famille susceptibles de garder les enfants, enfin en tout cas d'apporter un coup de main. Alors à partir de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à partir d'une analyse un petit peu plus poussée que les tableaux croisés, alors même si dans l'ensemble l'entraide a été limitée, on peut repérer quatre grandes tendances liées à certaines caractéristiques sociales. Quatre grandes tendances qui sont déterminées par deux logiques. Une logique d'entraide ou d'absence d'entraide, et puis qui est structurée également par le volume et la structure du capital social. Donc, si on regarde à droite, on a des catégories sociales qui n'ont pas reçu ou pas apporté d'aide. D'accord ? Alors, en haut, par absence de nécessité, ou éventuellement on a recours aux amis, mais encore une fois, on l'a vu, c'est très minoritaire. Donc, en gros, en haut, on n'a pas eu besoin de l'aide. On s'est débrouillé tout seul. Et donc, c'est notamment les classes moyennes et supérieures, habitants des centres-villes, diplômés du supérieur. En bas, on n'a pas reçu ou pas apporté d'aide par isolement. Typiquement, c'est les étudiants qui étaient dans cette situation-là, avec un isolement, un délitement des collectifs, d'amis, de camarades de promo, de la famille. Quand on pense on a des étudiants, si on pense aux étudiants qu'on avait ici, qui ont été confinés ici, sans leurs potes, avec leur famille à 100 km, et qui ont été vraiment, vraiment seuls à ce moment-là. Celles et ceux qui en auraient fait l'expérience, à l'Agorae, qui est l'épicerie sociale pour les étudiants, les jours et aux horaires d'ouverture, il y avait une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres. À gauche, donc des personnes qui ont reçu et apporté de l'aide. Alors, en bas, les classes populaires habitants des quartiers périphériques. Alors, ça ne veut pas dire que tous les membres des classes populaires qui habitent ou habitants des quartiers périphériques, c'est des classes populaires et ou habitants des quartiers périphériques et ou peu diplômés et ou chômeurs ont davantage reçu et apporté de l'aide. D'accord ? Et quand ça a été le cas, davantage dans le cadre familial. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes des classes populaires sont là. Il faut raisonner en termes de probabilité. En haut, essentiellement, donc aide reçue et apportée essentiellement par le voisinage, plutôt en zone rurale,
et plutôt des retraités. Et donc, qu'est-ce que ça montre, en fait? C'est que, à l'inverse de l'hypothèse qu'on avait posée sur la redéfinition des collectifs pertinents, sur l'ouverture des frontières entre groupes sociaux, la crise du Covid a renforcé les barrières entre groupes sociaux, loin de les défaire. Et ça, en fait, on a pu le constater, y compris au sein des foyers. C'est-à-dire que, y compris au sein des foyers, ça a renforcé les barrières entre les barrières, ou en tout cas les positions respectives des hommes et des femmes. Et la division du travail, division sexuelle du travail domestique, loin d'être déstabilisée, en fait, a également été renforcée. Alors pour ça, on a utilisé une batterie de questions dans ce même questionnaire qui portait sur la perception de l'écoulement du temps, la perception du temps sur l'ennui, et puis sur les goûts que les personnes se seraient découverts pendant le confinement. Donc on avait goût pour le ménage, goût pour la décoration, goût pour le bricolage, goût pour la vie de famille, goût pour la pâtisserie. Et ce qu'on obtient, c'est donc une logique de réinvention ou pas de la vie quotidienne pour la réordinariser. C'est-à-dire que face à la déstabilisation de la vie quotidienne, il y a eu une énergie qui a été déployée, un effort qui a été déployé pour la réordinariser. Donc avec une première logique qui était l'occupation du temps et de l'espace domestique. Donc est-ce qu'on a eu à réinventer les activités domestiques ou pas? Et une deuxième logique, deuxième logique déterminante, c'était le poids de la contrainte temporelle. Et sur cette base, on obtient là aussi une partition en quatre pôles. Donc, avec à gauche, réinvention du quotidien, j'ai mis réinvention entre guillemets, parce que quand on va regarder en détail, en fait, ça réinvente rien du tout, ça renforce les logiques déjà existantes. À droite, statu quo, on n'a pas réinventé. Et puis, en haut, contrainte temporelle, perception du temps, avec une contrainte temporelle faible et une perception du temps positive en haut, et contrainte temporelle forte et perception négative du temps en bas. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est à droite, on n'a pas réinventé, on n'a pas eu à réinventer, donc c'est les retraités. Dans nos chiffres, on a des questions qui portent sur l'état de santé psychique, enfin en tout cas l'état de nervosité, d'anxiété, etc. On se rend compte que sur tous les aspects négatifs, les retraités ont été les mieux lotis pendant la période. C'est là où on obtient les meilleurs scores de bien-être. Et ceux qui expriment le plus un mal-être, c'est les jeunes. Les retraités ou plutôt des hommes qui ont une activité professionnelle maintenue. Ils n'ont pas eu à réinventer, ils ont continué à bosser. Quand ils étaient à la maison, ils étaient dans leur bureau. Et voilà. Ne pas pouvoir réinventer, les moins de 25 ans, les étudiants, les personnes seules ou au chômage, on retrouve notre logique d'isolement qu'on avait tout à l'heure. Les personnes qui ont pu réinventer, classe moyenne et supérieure, avec du capital culturel, etc. Et puis, celles qui ont dû réinventer, et c'est là où on a le gros pôle de réinvention, entre guillemets, c'est pour ça que je mets vraiment des grosses guillemets, c'est plutôt les femmes de classe populaire avec des enfants au foyer, qui, elles, se sont... Donc, en gros, si vous voulez, à droite, ils ne se sont découverts un goût pour rien. Rien n'a changé. À gauche, on s'est découvert un goût, et alors... En haut, on s'est découvert un goût pour le bricolage.
bricolage, pour la décoration, ce genre de trucs. Et puis en bas, c'est pour ça que la réinvention, elle est toute relative, on a des femmes qui se sont redécouvertes, entre guillemets, un goût pour la vie de famille, pour la pâtisserie, pour tester de nouvelles recettes de cuisine et pour le ménage. Donc la réinvention, elle est toute, toute relative. Et donc on voit que même au sein de l'espace domestique, cette logique de renforcement des barrières entre groupes sociaux, eh ben on la voit très nettement. Et cette logique de renforcement des barrières entre groupes sociaux, on la retrouve dans les entretiens autour de la dénonciation des autres, de tout ce qu'on n'est pas. Donc le danger, il venait systématiquement des autres, jamais de soi-même ou de ses proches. Quand je dis de ses proches, pas ses proches familialement, mais de ses proches socialement. Et c'est d'ailleurs une des choses, alors on aurait pu en parler avec Vincent Cardon, avec le projet sur la modélisation de la diffusion spatiale de l'épidémie, mais c'est une des raisons qui marque les logiques de diffusion du virus, c'est-à-dire que les gestes barrières, c'était avec les gens qui étaient différents, mais dès qu'on est avec des semblables, les gestes barrières tombent. Et on a des exemples à l'hôpital, alors on a fait des entretiens avec des hospitaliers, c'est avec les usagers, avec les patients, c'était ceinture, bretelles, parachute, du gel, des gants, le bonnet, la blouse, le masque. Et puis dans la salle de pause, c'était on enlève tout et on se contamine entre nous. Et dans la famille, pareil. Mais en fait, les principaux lieux de contamination, c'était le travail et la famille. Et notamment parce qu'en fait, cette histoire de contamination par le toucher, en fait, c'est avéré assez fausse. Mais là, j'empiète un peu sur l'intervention de Vincent Cardon, qui n'est pas là. Et par exemple, on avait l'hypothèse du, on avait une hypothèse de, il y a eu un immeuble qui a été, enfin, il y a une épidémie, il y a eu un pic épidémique à Amiens-Nord, et il y a un immeuble dans lequel on avait pas mal de cas et notamment pas mal de décès. Et il y avait l'hypothèse de la rampe. De la cage d'escalier, mais en fait, qui n'est pas une hypothèse qui tient debout. On a discuté avec des infectiologues, ça ne tient pas debout, le virus n'est pas suffisamment aérobie. En fait, il ne tient pas longtemps, ou alors il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit léché la main et bien frotté sur la rampe et que quelqu'un passe immédiatement après pour que ça marche. Bon, passons. Donc, en tout cas, ces logiques de renforcement des frontières sociales, on les retrouve dans des logiques de dénonciation des autres groupes sociaux par rapport auxquels on se définit et on est défini. Et donc, chez les personnes avec qui on a fait les entretiens, donc chez les personnes les plus aisées, eh ben, y a une dénonciation des styles de vie populaires. Ils sont les uns sur les autres, ils ne respectent pas les gestes barrières, ils vivent dans des logements tout petits, ils ont des modes de vie qui ne sont pas adaptés, etc. etc. Pour les moins aisés, on a eu la dénonciation de ces riches qui vont se cacher dans leur résidence secondaire et qui fuient le terrain pendant que en première et en deuxième ligne les gens tombent comme des mouches. Donc la fameuse fuite des Parisiens à la campagne. En province, on dénonce qui ? On dénonce les Parisiens qui amènent le virus. À la une des journaux, on dénonce quoi ? On dénonce les riches qui vont manger dans des restos clandestins. Pour les plus âgés, le péril il vient des plus jeunes. Ils font des fêtes clandestines aussi, ils ne respectent pas les gestes barrières. Ils se sont relâchés trop rapidement. Vous rappelez le discours sur le relâchement, là. On ne relâche pas, on ne relâche pas, hein, surtout hein, les jeunes, on ne relâche pas. Attention, la fête de la musique, ça ne doit pas être un relâchement. C'était raté, dans le genre. Et chez les plus jeunes, dénonciation de qui ? Des vieux, hein, puisque on nous enferme. Pourquoi ? Pour protéger les vieux, alors que nous, on risque rien. Voilà. Bon, donc renforcement entre groupes sociaux. Et quand on regarde après du côté du monde associatif, par exemple, on se rend compte que finalement,
ces espèces d'élan de solidarité. Alors, qu'on ne peut pas nier, hein, il y a eu des choses, il y a eu, comme on a vu sur la diapo, là. Voilà, là, en fait, on voit, c'est pas mal de trucs, hein, d'actions, d'associations, quand même, là-dedans. Hein. Cathy, la retraitée, c'est dans un cadre associatif. Là, les colis aussi. Enfin, voilà, donc c'est des associations, voire des professionnels. Mais dans ce désintéressement, on peut aussi voir un intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un fort intérêt au désintéressement dans la mobilisation de ces groupes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on observe finalement dans ce que je viens de dire, c'est que toute l'énergie qui a été déployée à ce moment-là, quand je parlais de réordinariser la vie quotidienne, mais en fait, c'est tout simplement, tout ça, il y avait une seule logique derrière, c'était persister dans ce qu'on est. Et en fait, toute l'énergie qui a été déployée a été de persister dans ce qu'on était. Et c'est cette logique de dénonciation entre groupes sociaux, cette logique de maintien de la division sexuée, du travail domestique, etc., relève de cette logique-là. C'est-à-dire que on cherche à persister, on cherche pas consciemment, mais on déploie de l'énergie pour persister dans ce qu'on est, pour retrouver des raisons d'être en agissant comme à l'ordinaire, dans un cadre extraordinaire. Et si on regarde l'action d'un certain nombre d'associations, de collectifs constitués, ou même d'entreprises, qu'ont eu, hein, on ne peut pas nier qu'il y a eu des trucs, mais cette action, elle a surtout été réactive, et elle a d'abord constitué une réponse face à l'absence d'activité. C'est-à-dire que c'était moins une réponse à des besoins, alors même si ce n'est pas incompatible, hein, au départ, c'était moins une réponse à des besoins qu'une réponse à un besoin de continuer à exister en tant que collectif, en tant qu'association. Et à ce moment-là, il a fallu se réinventer et se voir pour faire autre chose que ce qu'on faisait d'habitude. Bah, donc, on va coudre des masques, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça, on le voit, c'est très net dans les entretiens qu'on a réalisés. On ne savait plus quoi faire. Des missions qui paraissaient à la fois auparavant évidentes ne pouvaient plus être menées. Et donc, il a fallu réinventer pour perdurer, pour continuer à exister, et également pour maintenir le cadre collectif qui existait auparavant. D'accord ? Et ce faisant, sortir individuellement de son propre isolement. Et quand, alors, j'ai un cas hyper intéressant, c'est quand, en fait, il y a cette solidarité, ces manifestations de solidarité qui commencent à être perçues comme un dû, alors les personnes se retirent. On a le cas d'un restaurateur qui préparait des déjeuners pour des personnels soignants du CHU. Et puis au bout d'un moment, il a eu des réflexions sur c'était moins chaud que la dernière fois, c'était moins bon. Il a dit stop, quoi, c'est bon, il y a des limites à tout, quoi. Bon, alors pour conclure, la crise, elle a remis en question l'ordre des choses, c'est-à-dire que les choses ordinaires se sont à ce moment-là délitées. Les anticipations ont été déstabilisées. Le monde qui habituellement est évident, en tout cas qui se présente à nous avec un certain degré d'évidence, hein, ce qui permet de vivre au quotidien, on ne se pose pas des questions à longueur de temps toute la journée, on agit, parfois le plus souvent d'ailleurs sans intention et sans se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Il a été déstabilisé et il a fallu se poser ce type de questions. Mais ça pousse d'abord à rechercher le retour à l'ordre. En fait, loin d'aller cette déstabilisation, loin de mener à se dire que l'ordre est déstabilisé, on va réinventer un ordre nouveau. Non, en fait, on recherche un retour à l'ordre. Et on cherche à se raccrocher à des choses qui tiennent. Et donc, plutôt que de pousser au changement, cette crise, elle renforce cette tendance permanente qui
consiste en rechercher à persister dans ce qu'on est. Et cette tendance qui a été exacerbée ici par la remise en question de ce que les gens étaient, de ce que les gens faisaient, quoi. Et donc, il y a bien des moments critiques de ce type-là qui peuvent donner lieu à de l'action collective, à des rapprochements entre groupes sociaux. Ils sont rares, mais ça arrive. On ne fabrique pas d'action collective faite à partir de rien. Et le rapprochement entre individus éloignés socialement n'est évidemment jamais impossible. Il reste peu probable. Et surtout, il repose sur des conditions très particulières, bien spécifiques, de convergence des temporalités. Pour ça, il faut que les différents groupes sociaux aient des temporalités convergentes. Or, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est qu'au sein d'un même foyer, si je regarde mon pôle en bas à gauche et mon pôle en haut à droite, au sein d'un même foyer, je n'ai pas des temporalités convergentes, en fait. J'ai le pôle masculin qui, plus que le pôle féminin, continue à bosser, et pour qui rien ne change, et le pôle féminin qui doit réinventer la vie quotidienne avec les enfants qui ne sont plus à l'école, pour qui ça ne change pas grand-chose non plus, mais ça renforce ces logiques-là, parce que il n'y a pas d'alignement des temporalités. Et pourquoi il n'y a pas eu d'alignement des temporalités malgré des contraintes communes ? Donc on avait bien à peu près tous, en tout cas formellement, les mêmes contraintes, mais on voit bien que ces contraintes-là, elles n'ont pas été communément vécues et aménagées. En fait, le truc qui a été là, c'est des contraintes communes. On a été tous enfermés. Alors, contrainte commune, être enfermé à 5 dans 40 mètres carrés, c'est pas pareil qu'être enfermé à 5 dans 120 mètres carrés non plus, avec un jardin, etc. Mais on va dire des contraintes formelles imposées institutionnellement communes, mais avec tellement de variations de conditions d'existence et avec tellement, on va dire, de social incorporé, objectivé en amont, que ça n'a pas pu être communément vécu, parce que en fait, ça n'a pas été si déstabilisé que ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, ben, j'imagine qu'il y a des questions. C'est un bilan un petit peu déprimant, quand même, il faut le dire. Les femmes à la cuisine. Je suis cuisine. Désolée. Ouais. Bon. Donc, on va essayer de positiver un petit peu toutes ces choses. Merci beaucoup pour cette passionnante communication. Moi, je n'ai pas été déprimé, je trouve que c'est vraiment intéressant et stimulant intellectuellement. Et moi, ce qui me... Mais tu en as parlé, sur la question de la moindre solidarité, on va faire simple, parmi les classes aisées, catégories aisées, tu as évoqué la question de la géographie résidentielle. Et effectivement, les milieux... Enfin, après, c'est peut-être un peu simpliste, mais les milieux populaires, on vit plus les uns près des autres. Quand il y a des mobilités géographiques et sociales, c'est vrai que la proximité joue moins. Et donc, du coup, il y a cette dimension géographique aussi, je pense, qui est importante et qui peut expliquer partiellement, d'où le recours aux amis plutôt qu'à la famille. Hein, parce qu'ils sont, eux, justement, il y a une cohérence géographique de proximité qu'on n'a pas avec la famille. Peut-être, voilà. Mais ça m'a vraiment intéressé cette approche. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a cette histoire de mobilité, de localisation, et de mobilité sociale aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que parmi les classes, notamment plutôt les classes moyennes, on a des classes moyennes en mobilité ascendante, et donc la mobilité professionnelle et sociale s'accompagne d'une mobilité géographique et aussi de liens plus distendus avec la famille que quand on reste dans le même milieu, dans le milieu dans lequel on est issu. Mais ça me fait penser à un autre truc, puisque tu es historien. En fait, cet autre moment critique où on a pu estimer qu'il y avait une grande solidarité interclasse, ça a été la Première Guerre mondiale, avec le bouquin de Nicolas Mario. Tous unis dans la tranchée. Oui. Voilà, tous unis dans la tranchée, ou non, pas du tout. Et, où il, il,
Il analyse les courriers, notamment des intellectuels dans les tranchées, où il y a une dénonciation des classes populaires qui est absolument incroyable, quoi. Moi, j'aime bien parce que ça montre la complexité du réel, que les choses sont pas... Il y a le discours, puis il y a la réalité qui est beaucoup plus complexe. C'est d'où l'intérêt des sciences humaines et sociales. Après, il ne s'est pas rien passé non plus. Oui. On a des exemples qui sont limités. Hein. On a des exemples de... dans certains quartiers populaires d'Amiens, mais pas tous, par exemple à Étouvie ou... Alors, pour les non-amiénois, Étouvie, c'est nord-ouest. C'est un gros ensemble de logements sociaux. Les années 50, ouais. Contrairement aux pigeonniers qui est plutôt les années 60. Enfin, Qui est à bien nord-ouest, assez excentré, où il y avait eu pas mal de choses en termes de démocratie participative. Tout s'est effondré. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il n'y avait plus les supports institutionnels, tout s'est effondré. Il s'est absolument rien passé. À l'inverse, à Amiens Sud-Est, alors qu'en plus c'est un quartier un peu plus mixte. Hein, Qui a été beaucoup transformé, ouais. Parce que les grandes barres de Victorine Nautier ont été rasées. Ouais. Donc ça, il y a aussi des transformations. Il y a eu des transformations importantes, mais il y avait une espèce de... Il y a eu le maintien de l'activité d'acteurs... disons, qui verse un peu dans l'action sociale. Et du coup, il y a des choses qui se sont maintenues, il y a des choses qui se sont faites. Mais, encore une fois, ce n'est pas de la génération spontanée, quoi. C'est à partir du moment où il n'y a pas du collectif existant derrière et un minimum d'institutionnalisation, les choses ne se réinventent pas non plus spontanément. Sachant que, bon, ça a été long et pénible, hein, mais ça a duré que 2 mois, quand même. Cet enfermement, enfin le vrai enfermement. Et donc c'est aussi relativement court. C'était un moment où on se dit bon allez, on attend que ça passe et puis la vie reprendra son cours, quoi. Si, oui. J'avais aussi une petite question sur la, parce que tu as commencé à l'évoquer, la question de l'immeuble à Amiens Nord où il y a eu un certain nombre de décès, on ne savait pas trop comment s'était propagé le virus. Je suppose que les gens sont allés voir d'un appartement à l'autre. En fait, ils ne se sont pas contaminés entre voisins. En fait, c'est un effet d'optique. Ils se sont contaminés au contact d'autres personnes, d'autres contacts à l'extérieur, et puis ensuite en famille. Il y a eu un gros pic épidémique sur ce quartier. Alors, dans le cadre de l'autre projet dont devait venir parler Vincent Cardon, auquel j'ai participé également, on avait essayé de reconstruire un petit peu ce pic épidémique dans le quartier pour remonter les chaînes de contamination. Ce qu'on a pu voir quand même avec des habitants de cet immeuble, c'est que tout s'est passé, en famille, quoi. Et qu'en plus, c'était pas forcément... Alors, on l'a vu au sein d'une même famille, c'était pas forcément les mêmes souches non plus. Donc voilà, ça a été plus une espèce de truc, un peu de coïncidence, sachant que... on a eu beaucoup de problèmes sur ce projet, parce qu'en fait, accéder aux données de santé, c'est quasiment impossible. Donc, c'est des protocoles incroyables. Voilà. Ouais, je les pose. Merci. J'avais une question dans la suite de ce qui a été évoqué par rapport au monde associatif. C'est vrai qu'on observe... une déstabilisation de l'investissement dans le monde associatif, en tout cas à mon échelle, et comme je suis aussi engagée dans la vie associative de ma commune, c'est des choses dont on parle en ce moment, et je voulais savoir si vous aviez pu observer ça et comment ici à Amiens, et si cette situation est plutôt selon vous provisoire ou qu'il y a des recompositions qui vont se faire et que c'est quand même une déstabilisation assez, assez importante de l'investissement dans la vie associative locale.
Et une autre question qui concerne la question du... Est-ce qu'on observe aussi un report des demandes d'aide et de soutien vers les structures de santé? On a beaucoup parlé de la question de l'aide psychologique dans cette période, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'observe? Alors, la première question. Alors, il y a la deuxième partie de votre question, les prospectives, je ne peux pas y répondre. Voilà. Et sur... Alors, on n'a pas spécifiquement travaillé sur... Alors, on a un groupe d'étudiants qui a un peu travaillé sur l'action des associations, qui sont mobilisées à ce moment-là. Ce qu'elles sont devenues depuis, enfin, voilà, comment ça a évolué, je peux difficilement vous répondre. En revanche, on a des exemples, on a travaillé très spécifiquement sur des tiers-lieux dans le cadre de ce projet, sur 1, 2, 3, essentiellement 4 tiers-lieux. Qui ont eu pas mal à se réinventer à ce moment-là. Un qui a complètement implosé, mais qui s'est complètement reconstitué derrière et qui a repris et qui refonctionne très bien. Un autre qui a transformé ses activités pour les maintenir et qui en est sorti. Enfin, ils sont tous sortis, ça a repris son cours et ça refonctionne largement comme avant. S'il y a une logique intéressante, c'est là aussi où on se rend compte que s'il se passe des choses, ça repose pas nécessairement sur de l'intention, ça repose sur de l'opportunité et sur des processus incrémentaux. C'est un truc tout con. Il y avait un agriculteur qui distribuait ses paniers de légumes dans un bar. Du centre-ville d'Amiens. Le bar est fermé. Il maintient sa distribution de légumes, mais il le fait dans un lieu à l'extérieur. Donc ça tombait bien, au printemps 2020, il a fait beau. Ça ne posait aucun problème. Arrive l'automne 2020. J'ai même perdu la chronologie. Je ne sais plus. Les bars étaient rouverts. Ils ont rouvert, ils ont refermé. C'est ça, non? Ils ont rouvert à l'été, puis ça refermé après. Hein. Ouais. Donc il referme. Donc il reprend sa distribution dans le bar. Et puis le bar ferme. Et là, le truc en plein air de 17h à 20h le mardi soir, c'était moyen. Et donc il a trouvé un lieu. Donc par le biais de connaissances, il a trouvé un lieu où distribuer ses légumes dans un chapiteau qui sert de salle de spectacle. Là-dessus, alors déjà pendant le printemps 2020, il y a un brasseur artisanal qui s'était mis avec lui et qui vendait de la bière. Et puis donc là, le brasseur artisanal est venu avec lui sur le lieu en question. C'est devenu un genre de tripot clandestin. Ça a attiré plein de monde. Donc il y a des gens qui sont venus. Puis ensuite, maintenant, il y a une torréfactrice qui est là. Il y a un type qui fait du pain. Enfin, ouais, il y a eu l'émergence d'une espèce de mini-marché du mardi soir à cet endroit-là, avec des gens qui se sont rencontrés, qui ne se connaissaient pas, qui ont commencé à monter des trucs, qui ont offert des conserves. Voilà. Donc, mais encore une fois, le machin était dans l'intention de personne. Ça s'est fait sur des logiques relativement... relativement spontané, comme c'est souvent le cas. Alors, sur la question du recours à la santé, j'ai pas les. Et puis, si j'ai mon ordre, je pourrais regarder là tout à l'heure, mais on a fait une deuxième enquête, une deuxième recherche par questionnaire, alors avec un peu moins de répondants, mais dans laquelle on demandait aux personnes si elles avaient rencontré des troubles psy. Et à la suite desquels, si oui, est-ce qu'elles ont eu recours à un professionnel et très majoritaire. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais très majoritairement, il n'y a pas de recours à un spécialiste. À la rigueur, on n'a pas posé la question non plus, mais voilà, on va chez le généraliste, on demande des anxiolytiques, et puis
Enfin, c'est comme ça que ça se règle, mais je pourrais regarder les chiffres hein, c'est assez important en termes de recours à des professionnels de santé. Non. Et voilà, mais c'est vraiment les seules données dont je dispose là, sur cet aspect-là. J'aurais une petite question après méthodo, mais d'abord, est-ce que je ne sais pas si tu es au courant, mais la cohorte ELF a fait passer un questionnaire Covid aussi pendant le confinement, en fait, auprès des familles, et notamment, alors je ne connais pas tous les modules, je connais que certaines questions, et un des modules est consacré au temps de travail des parents avec les enfants pour pallier l'absence d'école, en fait. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça met bien enfin, c'est très corrélé à ce que tu dis sur la réinvention du quotidien. Alors, je ne vais pas réussir à le dire moi non plus, mais la réordinarisation du quotidien. Et tu vois, tu y arrives mieux que moi. N'invente pas des mots comme ça, c'est pas possible. Voilà, il est très clairement mis en avant que le temps de travail, enfin le temps consacré par jour et la pression que ça met aux parents, en fait. Est totalement corrélé non seulement aux conditions de vie des parents, mais aussi au niveau de diplôme des parents, et notamment de la mère, puisque c'est la mère qui prend en charge tout ça, bien évidemment. Et dans les familles les moins dotées, ça passe quasiment, enfin en fait, entre les familles les mieux dotées et les moins dotées, on passe d'un temps qui est doublé en fait, au quotidien, pour des raisons diverses. D'abord parce que les parents ont des difficultés à faire les devoirs aux enfants, à les faire se concentrer, à trouver un temps exprès pour eux, etc. Donc, au lieu de mettre 4 heures, ils vont mettre 8 heures à le faire. Et aussi parce qu'ils ont un souci de remplacer l'école où l'enfant devrait être, et ça, c'était une surprise, sont censés être tant d'heures à l'école, donc à la maison, et ça, c'est plus dans les classes pop, ben, il fallait qu'ils soient tant d'heures à l'école aussi à la maison, en fait. Et donc, on se retrouve avec des données... Enfin, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, hein, c'est qu'on se retrouvait avec 4 heures de travail de devoirs dans les familles les plus aisées, 3-4 heures, sachant qu'après, ils avaient la possibilité de faire du piano, de la musique à la maison, etc. Alors que chez les classes pop, c'était quasiment une journée de travail pour les mamans, rien que pour l'école, quoi, en fait. Donc peut-être tu pourrais avoir accès à ces données, puisqu'en plus, le labo est affilié à ELF, donc tu pourrais probablement voir ça. Ah ouais. Et puis, j'aurais voulu une petite précision, parce que je trouve... Alors moi, du coup, je ne suis pas du tout spécialisée dans le quanti. Donc est-ce que tu pourrais préciser comment... tu as trouvé le problème dans ton panel, tu sais, sur les... Et que tu as détecté un problème et que tu as dû le pallier en faisant un tirage au sort. Parce que moi, du coup, je ne connais pas ce genre de choses. Est-ce que tu peux me dire comment tu as détecté ce problème-là, s'il te plaît ? Bah, en fait, tout bêtement, avec les premiers tris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un week-end, on est passé subitement, alors qu'il y avait une progression du nombre de répondants, les étudiants le faisaient passer le questionnaire... à un rythme régulier, mais pas, c'était pas non plus l'explosion. Enfin, ça avançait bien. Et puis, un week-end, je pense qu'il y a un étudiant qui a dû balancer le questionnaire sur une page Facebook. On est passé de... Je sais plus à quel stade on en était, mais on est passé de... alors que je leur avais dit, pas d'étudiants, enfin, vous faites pas tourner dans vos... Voilà, vous passez les questionnaires en face à face. Et c'est pas, vous balancez pas comme ça, et surtout pas dans vos réseaux d'étudiants. Et là, il y a quelqu'un qui l'a fait, et ça a été en un week-end, même pas en un week-end, en un dimanche, je crois. Ça a été 200 questionnaires, bing d'un coup, quoi. Et je me suis retrouvé, alors classique, on a toujours un déséquilibre homme-femme qui est assez important parce que les hommes répondent moins que les femmes, voilà, et que quand on a un grand nombre d'étudiants qui passent des questionnaires, c'est compliqué de les coordonner. Donc j'ai regardé et mon taux de femmes qui était monté à 70% et le taux d'étudiants qui était monté à 50%, quoi. Donc j'ai dit stop, on arrête. On a essayé de voir si ça rééquilibrait. Ça rééquilibrait pas. Donc là, ce que j'ai fait un bête truc. Hein. J'ai fait un tri dans ma base Excel sur la base du sexe et du statut d'activité. J'ai isolé les étudiantes. J'ai tiré une fonction aléa sur l'ensemble des étudiantes. J'ai fait un tri. J'ai viré les 100 premières. Quoi. Voilà. Ok, merci.